Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je tente de vous faire visiter la belle église de Saint-Eustache en voulant vous faire découvrir trois choses, les vestiges un peu du passé. Alors la première chose que je vais vous faire découvrir, c'est la chaire. La chaire est ce lieu où le prêtre autrefois enseignait la parole de Dieu. Alors il se déplaçait de l'avant pour aller vers là. On a repris le mot « chaire » dans beaucoup de domaines, entre autres dans le domaine universitaire. On va beaucoup parler de chaire d'enseignement. Deuxième lieu que je veux vous montrer, c'est la balustrade. C'était un lieu qui était, dans le fond, c'était dans le mobilier pour marquer la différence entre le cœur, le sacré, et l'assemblée, le profane. Alors, on va monter les trois petites marches qui, justement, séparaient le cœur de la nef pour aller vous présenter le troisième et dernier élément que je voulais vous montrer dans les éléments du vestige, les éléments de vestige du passé dans notre belle église Saint-Eustache. Donc, c'est le maître-autel. Le maître-autel, c'est là où autrefois le prêtre célébrait, mais dos aux gens. Et il le faisait pour profiter du plafond qui avait une capacité acoustique pour bien faire résonner sa voix. Alors, aujourd'hui, ces trois éléments ne sont plus utilisés. On va plutôt utiliser le mobilier moderne pour la liturgie. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.